Je m'assierai au bord de la fontaine, demain, dès l'aube, là où tant de fois j'ai rêvé de notre rencontre. Nous danserons sous le porche et le vent se lèvera. J'ai attendu si longtemps, peut-être une éternité. Je ne compte plus le temps, cela fait longtemps qu'il m'a échappé. Je me suis peut-être trompé de jour, de mois ou d'année. Je me suis peut-être trompé d'amour, je ne sais plus quoi espérer. J'attends encore, je suis quelque part entre le ciel et le monde d'en bas. Et j'espère chaque jour que le hasard puisse enfin te guider jusqu'à moi. Au rendez-vous de nos amours manqués, aux lueurs de nos folles espérances, aux cicatrices de nos cœurs orphelins, à la flamme du destin et ses artifices destructeurs, au jeu de l'amour, à ses injustices et ses contradictions, au hasard, à la chance, à la vie, à la mort, à nous, à Dieu. Thank you.
Et voilà. Merci. Bonsoir, Alan. Merci de m'avoir proposé ton court-métrage. Merci à toi d'avoir accepté aussi. Bah, il n'y a pas de souci, hein, je suis là pour ça. Franchement, c'était très très beau. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le jeu avec le cadre. Je pense qu'on pourra peut-être en parler après si on a un peu de temps. Donc, tu m'as dit que ton court-métrage, c'était un court-métrage amateur, autoproduit. Alors, c'est un peu amusant parce que quand on me dit amateur et autoproduit, c'est très très large en fait. Parce que les amateurs, il y a l'amateur de base qui n'a pas de matos et qui fait ça un peu à l'arrache. Et puis il y a l'amateur qui n'est pas encore en école de ciné, mais qui aimerait bien et puis qui du coup connaît un peu déjà. Donc, est-ce que toi, tu peux me dire un peu où tu te situes dans cet amateurisme ? Oui, je pense que je me situe au plus bas. Puisque là, c'était seulement mon deuxième court-métrage. J'avais fait des petites vidéos avant, mais on ne peut pas passer à court métrage. C'était vraiment mon deuxième court-métrage que j'ai fait seul. Et le matos, acheté. C'était la deuxième fois que je l'utilisais, du coup. Et après, j'avais personne d'autre, à part les deux acteurs, faire ce court-métrage. Simplement une amie de temps en temps qui venait pour m'aider, mais qui ne connaissait pas forcément grand-chose au cinéma. Donc, j'ai tout fait tout seul. Ok. Et du coup, est-ce que tu as fait ça dans un cadre particulier ? Est-ce que tu as fait ça parce qu'il y avait un concours qui t'intéressait ? Ou est-ce que tu as fait ça parce que tu avais l'idée et que tu as voulu travailler là-dessus ? Non, en fait, après avoir fini mon premier court-métrage, j'avais déjà cette histoire en tête. Donc, je voulais la faire. D'accord. Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie ? Parce que du coup, si tu me dis que tu es amateur, c'est que tu n'es pas étudiant en cinéma. En tout cas, peut-être pas à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que tu fais maintenant et qu'est-ce que tu faisais au moment du tournage ? Alors, j'étais infirmier en réanimation pédiatrique à Toulouse pendant 5 ans. Donc, au moment où j'ai fait ce tournage, je travaillais. Donc, en plus, au moment du tournage, je travaillais de nuit en réa. Et la journée, quand je pouvais, je faisais le tournage. Et vu que ça a été assez compliqué parce que je n'avais pas beaucoup de sommeil, là, j'ai quitté mon taf. Je suis infirmier, mais à Paris maintenant. Et je suis en intérim, donc je peux choisir mes journées de taf pour pouvoir avoir des jours de repos sur le moment où je tourne. Ah oui, d'accord. Bah, c'est sûr que ça doit être une alternance qui doit être un peu particulière pour toi, bah, justement, en termes de sommeil. Bravo, du coup. Parce qu'un tournage, c'est très énergivore et chronophage. Donc, c'est sûr que ça doit pas être facile. Alors, moi, ce que j'ai vu, j'ai remarqué plusieurs détails, on va dire, enfin des choses qui sont des détails et d'autres qui n'en sont pas. Alors déjà, tu tournes en extérieur, donc tu tournes à Paris, j'imagine. Là, c'était à Toulouse, d'accord. Donc tu tournes dans les rues de Toulouse, tu tournes sur un pont où on voit qu'il y a des voitures qui passent. Oui. Comment ça s'est passé ça ? Est-ce que tu as demandé des autorisations ou est-ce que tu l'as fait à l'arrache ? Et comment est-ce que tu as fait pour le blocage voiture, si je peux me permettre ? Alors, tout à l'arrache, comme je disais, c'est vraiment amateur. Tout simplement, il y avait des acteurs qui étaient partis d'autres ponts, et moi aussi, j'étais sur le trottoir. On attendait que les voitures passent, et qu'il n'y avait pas de voiture, vite on courait. Enfin, moi, je jouais au milieu de la rue, et je préparais ma caméra, je faisais top, et il courait. Et on a fait ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant de réussir à faire les bons réglages caméra, et d'avoir la bonne prise sans voiture en fond, etc. Ah, ça a dû être, ça a dû être sport. Ouais. Parce que je sais que déjà, avec du blocage, c'est la galère. Donc, quand il n'y en a pas, ça doit être pas super sympa. Quoi. Ouais, j'étais pas à ce niveau-là d'organisation. C'était vraiment, je m'étais baladé un peu partout dans le 12 pour chercher mes lieux de tournage. Et après, vu qu'on était dans la rue, je ne me suis pas posé la question de demander des autorisations particulières. D'accord. Et j'ai aussi vu que la date de publication, c'était le 22 mai 2020, si je ne me trompe pas. Ou 2021, je ne sais plus. 2021, oui. Oui, 2021. Tu as tourné à quelle période ? Est-ce que c'était... Enfin, parce qu'avec le Covid et tout, ça n'a pas dû être facile de trouver des périodes de tournage. Est-ce que tu as réussi à passer entre les mailles du filet du confinement ? Ou est-ce que tu as réussi à tourner sur des semaines où il n'y avait pas de confinement ? Je crois que j'ai tourné juste avant le confinement, c'était un mois ou deux avant. Donc, je m'en souviens plus. Mais c'était une période où on devait porter des masques. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on portait les masques tout le long. Et juste au moment de tourner,
Ils avaient des masques, on avait tous fait des tests. Parce que moi, j'étais vacciné, mais les acteurs avaient fait des tests. Voilà, pour le plus safe possible, qu'il n'y ait pas de soucis. Après, bon, ils n'étaient que deux acteurs, on était une équipe, on était trois ou quatre. Donc, c'était très restreint. Et on portait les masques tout le long, à part au moment où on faisait les prises. Bah, tu vois, ça c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est vrai que personnellement, quand j'étais en tournage pendant le Covid, il y a eu plein de bouleversements sur les tournages à cause du Covid, justement à cause de savoir est-ce qu'on porte le masque, est-ce qu'on porte pas le masque, qu'en est-il des vaccins, qu'en est-il des tests, est-ce qu'il faut faire des tests tous les jours. Et c'est vrai que ça a beaucoup bouleversé. D'ailleurs, il y a même, je sais pas si toi tu sais parce que bah apparemment tu n'es pas dans le milieu donc peut-être que tu sais pas, mais il y a même un poste qui a été créé à cause du Covid qui s'appelle le régisseur Covid et qui est là en fait pour s'assurer que tout le monde porte son masque et tout, donc c'est ouais il y a vraiment le Covid, ça a quand même beaucoup changé la phase des tournages, on va dire. Ça a été un gros bouleversement et ça, comme j'ai vu la date de publication, je me suis dit ah, il y a peut-être eu des problèmes Covid à cause de bah du Covid. Mais du coup c'était moi le régisseur Covid. Bon, on a les masques, on s'est la prise. Et sinon, oui, on a eu des lieux que j'avais prévus dans lesquels on n'a pas pu tourner parce que la mairie les avait fermés. Donc voilà, ça a changé quelques détails, notamment un lieu sous un pont qui était absolument magnifique. Je voulais tourner une petite scène là, et du coup, quand on est arrivé, ils avaient fermé, je crois, la veille. Puisque c'était au moment où ils commençaient à restreindre un petit peu plus. Et donc, ils avaient fermé le lieu la veille, donc on n'a pas pu tourner, on a fait autrement. D'accord. Bah ouais, ça arrivait aussi sur beaucoup de tournages, plein de lieux qui ont été annulés au dernier moment. Moi, je sais que quand il y a eu le confinement en octobre 2020, donc il y a maintenant plus d'un an, on était en tournage et en fait on avait le droit de tourner, mais bah en fait c'est comme si on n'avait pas le droit parce que tous les lieux dans lesquels on tournait, tous les restos, enfin dès que tu voulais tourner dans un resto et tout, c'était plus possible, dans des bureaux c'était plus possible, enfin c'était une galère pour trouver des lieux de tournage. Et c'est vrai que le Covid ça a beaucoup beaucoup impacté la production à ce niveau-là. J'aimerais revenir un peu sur le fait que du coup tu nous dis que tu es infirmier, donc déjà ben ça doit pas être facile en ce moment. Oui. Et puis, donc tu fais des courts-métrages comme un hobby, ou qu'est-ce que tu as comme ambition derrière les courts-métrages que tu fais ? Pour l'instant, la seule ambition que j'ai, c'est de réussir à avoir du temps pour en faire, ce qui est déjà pas mal. Et après, je suis monté sur Paris pour justement rencontrer plus de monde dans ce milieu, parce que les courts-métrages que j'ai fait, je les ai fait tout seul, en fait, de l'écriture du scénario jusqu'au montage. Donc, je voulais rencontrer des personnes qui avaient leur domaine de prédilection et qui pourraient m'apporter leur expertise. Mm-hmm. Donc là, je commence à créer un petit collectif de cinéastes amateurs pour justement se regrouper et faire des projets en étant un petit peu plus nombreux, avoir un petit peu plus de connaissances et d'expérience et pouvoir faire des projets plus ambitieux. Après, je ne sais pas encore où ça va mener, on verra bien. Mais je n'ai pas d'ambition de professionnalisation pour l'instant. D'accord. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ton expérience de production en équipe quasi seule avec tes acteurs ? Parce que tu m'as dit que tu avais quelqu'un qui était venu un peu t'aider, mais du coup, tu t'es retrouvé un peu à devoir tout faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et quelle galère tu as eu à ce niveau-là ? Alors, ce tournage a été quand même particulièrement facile par rapport au précédent. Ce tournage s'explique totalement en fonction du premier tournage. Du premier court-métrage que j'avais fait quelques mois auparavant, qui a duré longtemps, qui a eu les deux confinements, plus toutes les restrictions. Donc j'ai un an à faire un premier court-métrage. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de figurants, il y avait du maquillage, des costumes, c'était très compliqué. En plus, on est tourné dans des lieux qui étaient parfois interdits, dans lesquels on a été bloqués. Donc c'était très compliqué. Donc là, en fait, je voulais faire quelque chose de très simple. C'est pour ça qu'il n'y a que deux acteurs, il n'y a pas de figurants. C'est en extérieur, il n'y a pas de problème d'éclairage. Il n'y a pas de prise de son en direct. C'était très important parce qu'avoir quelqu'un perché, prendre le matos, etc. Je ne connais personne qui perche, il faut expliquer comment percher. Sachant que c'est moi qui explique que j'ai juste regardé des vidéos YouTube pour apprendre à percher. Donc au final, ça a été très simplifié. Et ensuite, j'ai vraiment juste pris ma caméra,
et avec les acteurs, je leur disais, j'aimerais bien faire ça. J'avais un scénario qui était quand même très détaillé. J'avais essayé de planifier au maximum les journées, le temps de tournage, etc. Et après, c'était vraiment ce moment où on se baladait de lieu en lieu à pied, que j'essayais de faire en sorte que les tournages chaque jour soient rapprochés. Et puis voilà, il n'y avait pas de soucis de costumes, de maquillage, etc. Donc c'était quand même assez simple. On a eu la pluie par contre, donc j'avais une amie qui est là pour porter le parapluie pendant qu'on tournait. Et prendre les blousons aussi quand il fallait les enlever au moment de tourner. Mais sinon, à part ça, c'était quand même assez simple. Ok. Alors, j'avais une question qui vient de me passer dans l'esprit et qui est ressortie. C'est très perturbant. Alors, du coup, c'était pour revenir sur ce que tu viens de dire. J'essaie de me la rappeler. Hein. C'est un peu compliqué. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre. D'habitude, ça reste. Oui, alors du coup, non, c'est reparti. ça va revenir, c'est pas grave. Tu voulais parler de production ? Non, parce qu'on est là pour parler de production, mais j'avais une question qui était quand même assez spécifique. Oui, ça y est, je reviens. C'est bon, c'est revenu. C'était sur le fait que tu disais que tu as du coup appris à percher, notamment en regardant des vidéos YouTube. Moi je trouve que ton travail il est quand même pour de l'amateur, il est quand même très qualitatif. Enfin, faut le dire, il y a vraiment un travail de cadrage, il y a vraiment un travail sur le cadre justement. Tu joues beaucoup avec le cadre, donc ça c'est fait à la fois au tournage et à la fois au montage. Du coup, est-ce que tu as appris à faire tout ça seulement en regardant des vidéos YouTube? Est-ce que tu t'es auto-formé ou est-ce que t'as regardé. Enfin, déjà, quel style de vidéo YouTube tu regardes? Est-ce que c'est juste des tutos qui t'expliquent comment utiliser du matériel, comment monter? Ou est-ce que tu as regardé des masterclass, ce genre de choses? Comment tu t'es auto-formé à ça? Alors, dans tous les domaines, en fait, j'ai regardé surtout sur YouTube. J'utilisais toutes les techniques que je trouvais, j'étais dans le métrage comme ça, j'apprends tout simplement, et ça a été vraiment cherchant, notamment quand je travaille le cadre sur ce court métrage, j'ai vraiment modifié le cadre comme ça, en cherchant tout simplement sur le logiciel qui utilise Final Cut Pro. Et en fait, à force de chercher, j'arrive à faire ce que je veux. Il y a des fois, je passe des heures à faire tout simple, mais sinon, je regarde des vidéos YouTube. De toute façon, personnellement, même moi qui ne fais que du montage simple de vidéos de rediff de mes lives, des fois, ça me met 10 plombes de faire un truc très facile. C'est un peu le truc des logiciels. Moi, je trouve, notamment, par exemple, sur la suite Adobe, il y a tellement de choses qui sont... Tu cherches à faire un truc simple... Mais ça demande une manip qui est très compliquée. Par exemple, moi, je pense rogner ou changer... Enfin, oui, rogner sur Illustrator, c'est un truc... il faut prendre une forme et puis après faire tracer, machin, je sais pas quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, mais voilà, c'est vrai que moi aussi, je passe du temps. Des fois, quand on connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est très long. Et en même temps, bah, ça te permet d'expérimenter, en effet, beaucoup de choses et d'apprendre. Et donc, bah oui, c'est en pratiquant qu'on apprend. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que maintenant sur YouTube, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais je pense quand même que c'est une mine d'informations incroyable. Et on peut avoir des infos sur tout. Il y a aussi des masterclass, regarder des masterclass de grands réalisateurs, de chefs-op, de scénaristes aussi. Et en fait, il y a toutes les connaissances dont on a besoin sur YouTube, en fait, elles sont sur Internet. Donc après, une école, ça peut aussi t'amener
plus d'expérience, parce que tu fais des tournages ou aussi des contacts, tu travailles avec des gens. C'est un peu ce qui pêche, c'est que je travaille tout seul, je fais tout seul. Donc voilà. Et du coup, maintenant que... Pardon, je suis désolé. Non, je voulais dire YouTube est essentiel. Pour moi, en tout cas, c'est essentiel pour pouvoir apprendre. Oui, puis par exemple, on trouve aussi, moi personnellement pour cette émission, j'envoie des annonces sur Facebook et c'est vrai que la plupart des liens que je reçois, c'est des liens YouTube. Enfin, c'est vraiment la plateforme où on peut, où se réunissent toutes sortes d'informations et de de création. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je voulais revenir aussi sur le fait que tu dis que maintenant tu es à Paris et que tu commences à te faire un petit collectif d'amateurs. Comment tu les trouves ? Par quoi tu passes toi ? Parce que nous, on a déjà sur d'autres émissions avec d'autres courts-métrages, on parle beaucoup. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser à ça parce que je pense que c'est très important pour, par exemple, ceux qui nous regardent et qui ont envie de se mettre au court-métrage ou même ceux qui sont juste intéressés de savoir par quel biais est-ce qu'on peut trouver des équipes, trouver des acteurs. Okay. Et comment toi, tu fais ? Tout simplement, je suis allé sur Facebook, j'ai tapé casting Paris. Je suis tombé sur une dizaine de groupes Facebook qui regroupent des cinéastes, d'autres qui regroupent des acteurs qui sont mis en relation par des maisons de production ou des réalisateurs. Et j'ai posté une annonce en disant que je cherchais des amateurs de corps qui sont passionnés de cinéma, qui veulent monter des projets ensemble. Simplement. Et j'ai eu beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls en fait, et qui cherchent à débuter dans ce milieu. Et du coup, j'ai eu plein de réponses. On est assez nombreux là, une vingtaine. Et ensuite, on associe nos idées, notre matos, nos expériences qui sont très différentes, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des photographes, des ingénieurs, même des jeunes qui sont encore au lycée et qui ont juste fait des films. De 3 minutes avec téléphone portable sans aucun matos, rien, mais voilà, toute notre expérience et on s'associe aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette expérience du fait de te retrouver dans un groupe avec plein de... Parce que toi, au départ, t'es un amateur qui est tout seul dans son coin et d'un coup, tu te retrouves à Paris avec tous ces gens qui ont tous, j'imagine, des ambitions qui parfois divergent. Déjà, comment vous faites pour communiquer ensemble et pour choisir qui fait quoi? Et pour toi, personnellement, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience au niveau où tu en es actuellement? Alors en fait ce groupe, il vient tout juste d'être créé, parce que je suis à Paris depuis très peu de temps. Donc, j'ai simplement regroupé toutes les réponses que j'ai eues, j'ai créé une discussion commune, et pour l'instant, on échange sur cette discussion, on parle de nos expériences, tout ce qu'on a fait, on va voir le travail de chacun, et on a prévu de se rencontrer très prochainement, mais ça, on en est vraiment qu'au pré-prise pour l'instant, que je vais te répondre d'ici quelques mois, quand on va monter des projets. Mais en tout cas, dès que tu as monté des projets... Oui, je t'en parlerai, mais en tout cas ça promet d'être très enrichissant parce qu'il y a vraiment de tout âge, de tout domaine. Il y en a qui m'ont répondu, qui m'ont dit ben moi à la base, je fais de la danse, du hip-hop, et je fais des vidéos sur ça. Donc, si tu veux, on peut s'associer pour mélanger toi, ta passion du cinéma, moi, ma passion de la danse, et faire des vidéos sur ça. Il y a vraiment de tout. C'est ça qui est intéressant. C'est beau un peu parce que. Quand tu sors d'école de ciné ou quand tu arrives dans le cinéma, c'est un peu un monde de requins. Enfin, c'est souvent quelque chose qu'on entend, de dire que le cinéma, c'est un monde de requins. Ce qui est un peu vrai, c'est très difficile de trouver du taf. Et en même temps, le court-métrage, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment l'endroit où se réunissent tous ceux qui ont vraiment cette passion et qui ont vraiment envie d'avancer là-dedans, qui ne sont pas toujours au même stade. Parce que, comme tu dis, toi, tu as des gens qui ne sont pas forcément... qui font pas forcément déjà du cinéma, mais qui ont envie de mixer des choses. Pour moi, le court-métrage, c'est vraiment l'endroit de la découverte. Et je trouve ça toujours très, très beau. Du coup, il n'y a pas de questions, mais voilà, c'était ma petite remarque. Vas-y. Encore trop, donc peut-être c'est pas encore bon enfant, il n'y a pas de soucis. Quand tu ne cherches pas à être professionnel, que tu n'as pas un budget énorme, mais que tu ne cherches pas à rentabiliser ton projet, c'est plus facile. Oui, c'est sûr. En fait, tu cherches à faire quelque chose qui te plaît. Encore une fois, c'est la faute du capitalisme. Écoute, n'hésite pas si tu veux partager... Alors, désolé, j'ai eu l'alerte de mon... Parce qu'en fait, vous n'entendez pas l'alerte, mais moi, j'entends l'alerte. Merci pour le follow.
Désolée, ça m'a coupé du coup parce que je l'ai entendu super fort. Bref, je disais, n'hésite pas du coup si tu veux partager dans le chat écrit Talk Short, si tu veux partager ton groupe, si certaines personnes souhaitent rejoindre ce groupe, ou bah quand tu auras, quand vous aurez fait des courts métrages et tout, n'hésitez pas à me les envoyer, on pourra les passer pour que toute l'équipe vienne en discuter. Ce sera toujours avec plaisir. Et puis bah on va se laisser là parce que je vais comme ça introduire le prochain court métrage. Et puis bah je te souhaite une bonne soirée et merci d'être passé. Et merci, n'hésitez pas si jamais, parce que là je vois qu'on n'a pas eu de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent d'un coup, n'hésitez pas à aller les poser sur le Discord où Alan est, et du coup pourra vous répondre dans le Discord. Merci beaucoup Alan. Salut. Salut.